comment voyez-vous le monde arabe aujourd'hui? Le monde arabe aujourd'hui. Tout d'abord, y a-t-il un monde arabe? Oui, y a-t-il un monde arabe? Hein? C'est la première question. Bien sûr, quand on va dans les rues de Gaza, par exemple, d'Alger, de Caire, ou de Damas, on parle souvent du monde arabe, de l'Umma al-Arabiya, la nation arabe, et on sent chez les populations une frustration par rapport au fait qu'il n'y a pas une nation arabe qui est organisée. Alors bien sûr, il y a des pays arabes, il y en a 22. Mais capable de proposer une vraie solution, ni en Turquie, ni en Iran, ni dans les pays arabes. Regarde le problème en Iran, le problème en Turquie. En tout cas, il représente l'islam modéré, accepté par les sociétés occidentales, les banques, etc. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur du pays? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il gère le problème avec les Turcs? Est-ce que ça, c'est l'islam? Non. L'islam de Mohammed, c'était le pacte social qu'il a signé avec les habitants de Médine quand il a quitté la Mecque. Personne n'est islamiste actuel capable de refaire pareil. Mais ils sont capables, par le média, par l'aide des États-Unis actuels, parce que les États-Unis veulent que les islamistes arrivent au pouvoir. On va supprimer le droit que vous attendiez tous.